Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Discutons, donc la saison 2 de Discutons, et on est très content de vous recevoir donc en live sur la chaîne YouTube de Quoscience. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Quoscience, c'est une association de médiation et de journalisme scientifique. On intervient de manière générale plutôt en présentiel, mais au vu des différents confinements que l'on a vécu, ben tout simplement on a passé notre format en présentiel en live. Et donc nous nous retrouvons maintenant régulièrement sur la chaîne YouTube de Quoscience. Alors quand je dis régulièrement, c'est pas tout à fait vrai, parce que là, ça fait longtemps qu'on avait arrêté, hein, depuis octobre 2021. Donc c'est pour ça que c'est la saison 2. On est reparti pour vous parler d'écologie, de développement durable. Tout le mois de mars, on va avoir des lives qui vont se succéder en partenariat avec donc l'école privée d'hydroéducation et donc les étudiants de cette école que je vais présenter. N'hésitez pas d'ailleurs pour être tenu au courant de l'actualité et donc des prochains lives qui vont avoir lieu dès lundi prochain, hein, puisque lundi prochain on parle de forêt tropicale. Pourquoi faut-il protéger la forêt tropicale? N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de Quoscience pour être tenu au courant, donc bien sûr, de ces différents lives. Le format Discutons, c'est un format d'une heure, 1 heure et quart, où on va discuter d'une thématique en compagnie d'experts pour m'accompagner, parce que là vous me voyez tout seul, hein, vous me voyez tout seul en compagnie d'animaux autour de moi. Mais concrètement, je ne suis pas tout seul, loin de là, et je vais vous faire découvrir donc nos invités et en même temps mes co-animatrices, hein, pour le coup. Les voici, les voilà. Et donc, je vais dire bonsoir à Emma et Eva. Bonsoir. Bonsoir. Alors Emma, Eva, donc on va parler, si vous avez cliqué d'ailleurs sur le lien, hein, c'est que vous savez déjà le sujet, mais bon, je le redis, on va parler donc des espèces animales menacées de Gironde. Est-ce que Emma et Eva, vous pouvez nous présenter peut-être justement concrètement de quoi on va parler ce soir et nos invités également? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc déjà, bonsoir à tous et à toutes également. Donc on vous remercie de participer à notre live sur donc les espèces menacées de Gironde. Alors bien sûr, par un souci de temps, on ne pourra pas aborder l'ensemble des espèces menacées sur le territoire de la Gironde, mais on va faire un focus sur quatre espèces que Emma nous présentera ultérieurement, ainsi qu'avec nos intervenants. Donc aujourd'hui, on va vous parler donc au cours des 60 à 90 minutes à venir des espèces menacées, donc de leur statut sur notamment la liste rouge, des enjeux et des menaces principales de ces espèces, des différentes protections qui peuvent être mises en place sur le territoire de la Gironde, mais également au niveau national. On verra par exemple la liste rouge et enfin l'effet, l'efficacité en fait de certains de ces dispositifs de conservation. Donc, plus précisément, on verra dans une première partie une petite description de ces espèces, puis donc les facteurs impliquant leurs menaces et les critères, pardon, de classification de la liste rouge avec une définition un peu plus précise de ce qu'est cette liste rouge, puisque c'est évident que tout le monde ne connaîtra pas cette liste. Donc pour les quatre espèces qu'on a choisies, donc on a d'un côté la flore avec les estuaires, l'angélique des estuaires, pardon. Et au niveau de la faune, donc on a l'ornithologie avec le moineau domestique et en mammalogie le wison d'Europe. Et pour finir, on va finir donc avec un amphibien qui sera le sauneur à ventre jaune. Donc pour mieux comprendre notre sujet, on doit vous définir quatre mots finalement. Donc premièrement, les espèces menacées. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce menacée? Donc c'est une espèce animale ou végétale dont l'état de conservation est en péril. Donc, il peut s'agir d'une espèce en voie d'extinction ou d'une espèce simplement vulnérable. Pour les espèces invasives, donc une espèce invasive, c'est une espèce introduite dans une aire différente de son aire de répartition initiale. Et donc, la présence de cette espèce va nuire aux espèces natives et autochtones, c'est-à-dire ces espèces qui sont naturellement présentes sur le territoire. Pour finir, donc l'objectif de cet échange, c'est de comprendre et de visualiser les démarches scientifiques visant à la conservation de ces espèces menacées. Il s'agit donc des thématiques intéressantes et importantes dont un expert naturaliste doit avoir connaissance. Elle incitera sûrement beaucoup d'entre nous à réfléchir sur le devenir de ces espèces, mais aussi, et c'est le plus important, à s'engager pour leur cause. Nous avons donc l'honneur d'accueillir parmi nous ce soir trois intervenants. Donc on a Monsieur Barrault, qui est en ce moment médiateur naturaliste à l'association Terre et Océan. Madame Perraudin-Johanna, qui est actuellement chargée de mission référentielle et bioévaluation, pardon, à l'Observatoire Fauna.
Et pour finir, Monsieur Rui Thomas, donc, qui travaille à l'association GRIF en tant que chargé de projet connaissance et conservation. Donc, ils vont pouvoir répondre à toutes nos questions. Donc, on va commencer les questions. Donc, la première question, du coup, ce serait quelle est, enfin, en fait, pouvez-vous nous décrire un peu les espèces dont Emma a évoqué le nom il y a quelques minutes? Donc, au niveau du bison, du moineau et du pélobate. Donc, peut-être on pourrait commencer avec le moineau. Si Gaëlle, tu veux bien répondre à la question? Oui, alors c'est un peu iconoclaste d'avoir proposé le moineau, parce que évidemment, ce n'est pas la première espèce qui nous vient en tête par rapport aux espèces menacées. Et ce qui me semblait peut-être intéressant de définir dans le concept d'espèces menacées, c'est qu'il faut aussi travailler sur la biodiversité du quotidien un peu commune, qui sont les espèces menacées de demain et d'aujourd'hui pour certains secteurs géographiques. Puisque, alors en Aquitaine et en Gironde, l'Atlas ne le met pas comme espèce vulnérable, mais on sait qu'en zone urbaine et en zone périurbaine, c'est une espèce en fort déclin. Il y a une étude donc sur Paris, notamment avec des effectifs en forte diminution. Alors, le moineau domestique, pour le présenter, puisque je pense que tout le monde connaît le piaf, le pierrot, enfin bon, bref, tous ces petits noms qu'il a, c'est un petit passereau granivore, mais aussi omnivore, hein, qu'on va retrouver, donc qui est très anthropophile, donc lié à l'homme. Bon, il n'a rien d'exubérant, quoique les mâles sont plutôt jolis quand on les regarde de près, quand on fait des photos. Là, pendant les confinements, je me suis amusé à les prendre avec mon zoom, et finalement, on retrouve quand même des couleurs qui sont assez sympathiques, brun, gris avec la jolie bavette noire. Et donc, c'est une espèce qui a suivi l'homme un peu partout à travers la planète, qui est très opportuniste, qui est plutôt intelligente, et qui, voilà, aujourd'hui subit des déclins dont les explications sont multiples. Hein. Il y a des déclins assez importants en Angleterre, donc en France sur les grands noyaux urbains. Et Bordeaux Métropole, certainement, n'échappe pas à cette problématique. Et donc voilà, je voulais un peu sortir de... Parce que c'est vrai que souvent, bon, une espèce en général menacée, c'est aussi une espèce parapluie, on s'en sert pour sensibiliser. Mais aujourd'hui, toutes les espèces sont menacées, en fait, en réalité. Donc voilà, c'était un choix un peu bizarre que j'ai fait. Quand vous avez vu la liste, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, voilà, c'était aussi ce but-là, de s'interroger sur ce concept. Et aujourd'hui, bon, en milieu urbain et périurbain, bon, il y en a qui sont partis s'installer à la campagne, mais voilà, les menaces sont très prégnantes et très, très fortes sur ces espèces-là. D'accord, merci. Alors, du coup, vu qu'on a pu voir un peu mieux ce que c'était, bien que je pense que tout le monde connaît le moineau, est-ce que vous pouvez nous dire, nous développer peut-être un petit peu plus les menaces qui pèsent sur cette espèce et surtout éventuellement peut-être une ou deux protections qui sont mises en place? C'est général aux populations d'oiseaux. Les menaces, en fait, sont multiples. C'est ça qui est compliqué. C'est un faisceau de présomptions. Quand on voit la diminution générale des populations de moineaux, ça va être à la fois le changement de nos pratiques, que ce soit notamment bon, les pesticides, on aurait pu les pointer pendant un temps. Aujourd'hui, on ne les utilise plus normalement en milieu urbain, mais ça n'implique pas qu'on ne les utilise pas en milieu périurbain ou agricole. Ça va être aussi la pollution, le fait qu'il fasse plus chaud en ville. Alors, ça aide à la survie en hiver, mais ça peut aussi avoir une implication en été. Le bruit et le stress, tout simplement. Un oiseau, ça se stresse aussi. Donc, le milieu urbain est un milieu stressant, donc de plus en plus dense. La malbouffe, voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui a été pas mal étudié chez les moineaux. Ils se nourrissent mal, en fait, parce que nous, on se nourrit mal. Voilà, c'est aussi un petit avertisseur de nos pratiques et de nos comportements. Et notamment à l'époque de nidification, quand les oisillons, en fait, chez les oiseaux granivores, même pas stricts comme le moineau, ils ont besoin de beaucoup de protéines animales et donc d'insectes. En ville, c'est sûr que ce n'est pas les insectes qui grouillent, donc ils vont prendre un peu de tout, du pain ou des protéines, forcément, qui ne sont pas bonnes. Et donc, le taux de survie des oisillons n'est pas très bon. Et à cela, on peut rajouter aussi la perte de sites de nidification. Donc là, on peut en arriver à l'aspect quelles sont les solutions parmi les solutions. Alors, bon, évidemment, conserver des espaces naturels en ville. Bon, ça, c'est un peu pieux. Tout le monde met la main sur le cœur en disant oui, évidemment, on y pense.
Voilà, bon, après, il y a beaucoup de violons aussi. Hein. Sortir du sempiternel buisson décoratif pour avoir des espèces végétales qui conviennent aussi aux animaux sauvages. Et on parle aussi beaucoup de rénovation urbaine. Alors, c'est une très bonne chose. Et la rénovation urbaine pose aussi des problèmes à tous les animaux cavernicoles ou cavicoles, notamment les moineaux qui vont nicher dans les anfractuosités. Donc, voilà. Ces questions-là aussi, quand on parle de la rénovation, c'est comment rénover, qu'est-ce qu'on peut aussi offrir comme alternative de site d'identification pour toutes ces espèces-là. Bon, je parle des oiseaux, mais on pourrait parler aussi des chauves-souris, par exemple, qui est un exemple qui aurait pu être abordé avec Thomas. Voilà, donc c'est des questions concrètes, et c'est aussi se poser les bonnes questions aux bons endroits, parce qu'évidemment, il n'y a pas un cas unique, il y a beaucoup de cas à travers un territoire qui est très variable. D'accord, merci beaucoup. Merci du coup. On pourrait passer aux visons d'Europe? Et je vais montrer d'ailleurs une petite image de vison parce qu'il est très très mignon. Donc je vais le montrer. Alors je sais pas qui a pris la photo, Thomas d'ailleurs, peut-être. La photo est de Mathieu Béronneau, qui est un photographe naturaliste qui est basé en Gironde aussi, qui travaille à l'association Sistud Nature. Elle est magnifique, hein. Très très belle. Ouais. Elle est prise en captivité, mais elle est quand même très belle, effectivement. Donc pour le vison, je ne sais pas, est-ce que ben, voilà, je vous ai proposé une photo puisque c'est une espèce qui est assez peu connue, mine de rien. C'est une des espèces de carnivores les plus menacées d'Europe, hein, beaucoup plus que le lynx ou l'ours, par exemple. Mais on n'en parle pas beaucoup et c'est une espèce très peu connue. Donc je vous propose cette photo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui n'a jamais vu de vison d'Europe. Moi, j'en ai déjà vu, mais suite à une capture, enfin bref. Et donc, pour vous signifier un peu à voir à quoi ça ressemble. Donc, le vison d'Europe, c'est un mammifère, hein, il faut bien savoir. Donc, son petit nom latin, c'est Mustela lutreola. Et c'est un mammifère qui appartient à la famille des Mustélidés. Alors, les Mustélidés, c'est la même famille que les blaireaux, par exemple, la loutre, la belette, etc. Voilà, il y a 8 ou 9 espèces de Mustélidés en France. Donc, on peut voir sur la photo, bah, c'est une petite espèce en fait, hein, ça fait à peine 50 cm queue comprise, hein, sachant que la queue fait entre 10 et 15 cm. Donc voilà, c'est très petit, vraiment, c'est vraiment très petit. Avec un corps mince et allongé, des pattes courtes, un pelage un peu marron, assez homogène. Et puis ce qui va le caractériser plus particulièrement, c'est le museau, au niveau du museau, de la tache blanche qu'on va voir bien apparaître sur la lèvre supérieure et la lèvre inférieure qui vont être vraiment symétriques. Et ce petit critère, c'est un des critères de reconnaissance pour le différencier alors, du putois d'Europe, qui est aussi une espèce autochtone, hein, voilà, indigène de France, mais également du wison d'Amérique, qui est son cousin qui a été introduit, et ça on en parlera juste après, qui a été introduit malheureusement et qui cause pas mal de dégâts chez le wison d'Europe. Et il y a des risques de confusion entre ces espèces, et donc c'est important de connaître les critères de distinction, puisque les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc ce mammifère, en fait, il va. Pardon. La particularité de ce mammifère, c'est qu'il est dit semi-aquatique, c'est-à-dire qu'on va le retrouver vraiment dans tous les habitats des zones humides, techniquement parlant, donc les étangs, les canaux, les fossés, les cours d'eau, etc., à partir du moment où il y a suffisamment de végétation pour que l'espèce puisse y jeter, se sentir en sécurité, en refuge, et pouvoir mettre au bas tranquillement et trouver ses proies. Et notamment sur ses proies, et ben c'est une espèce qu'on dit opportuniste, donc c'est un petit carnivore, hein, opportuniste, donc il va se nourrir à la fois de petits mammifères, donc qu'on va rencontrer dans les zones humides, des oiseaux d'eau également, qu'on va rencontrer évidemment dans les zones humides, des petits amphibiens, pardon, essentiellement en Gironde aussi, puisqu'on est un peu focus sur la Gironde, l'écrevisse rouge de Louisiane, qui est une espèce exotique, mais qui est fortement présente en Gironde et qui sert de placard alimentaire à pas mal d'espèces qui vivent en milieu humide. Et pour la répartition, puisque un peu toute la France, là, que c'est ça, si j'ai bien compris sur la soirée. Alors la répartition, il y a une répartition historique, on va dire que le wison d'Europe était à peu près présent en toute l'Europe. Il y a encore 2 siècles à peu près. Et puis, il y a eu une très très forte régression due à différents facteurs que je vais aborder aussi après. Et maintenant, on va retrouver malheureusement que quelques petites populations en Europe. Donc, la plus importante, c'est au niveau alors, de l'Ukraine, de l'Ukraine et de la Roumanie, en fait, à la frontière, au niveau de delta du Danube. Il y a à peu près 1 500 individus encore présents. Il y a une population aussi qui a été réintroduite en Estonie, sur une petite île. Actuellement, à peu près 200 à 500 individus.
En Allemagne aussi, il y a eu des reproductions, mais on ne sait pas trop où ça en est. Et puis, ce qui nous concerne plus, c'est la population franco-ibérique. Donc, on va le retrouver au nord-ouest de l'Espagne. Et cette population de nord-ouest de l'Espagne, elle est en connexion avec notre population française. Donc, le wison d'Europe va se trouver principalement dans le sud-ouest de la France. Et les noyaux principaux qu'on connaît de reproduction actuellement, c'est plutôt la Charente-Maritime, avec des individus qui se promènent dans les Pyrénées-Atlantiques, en Dordogne, etc. Donc, c'est vraiment une espèce du sud-ouest, même si avant on l'a retrouvée dans à peu près 40 départements en France. Malheureusement, il y a une grosse régression depuis un siècle et demi. Donc maintenant, il est vraiment restreint à peu de choses, en tout cas dans le sud-ouest de la France. Et juste, peut-être avant de vous passer la parole, Emma et Eva, je vois sur le chat qu'il a du succès, puisque Célia nous dit waouh, superbe, Renaud, waouh, trop mignon. Effectivement, le vison a du succès. N'hésitez d'ailleurs pas à poser vos questions, parce que effectivement, c'est nous qui posons des questions. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit. On se fera une joie de les poser à nos intervenants de ce soir. Je vous laisse la parole, Emma et Eva. Du coup, je voulais en profiter pour découler sur finalement les causes de menace du wison d'Europe. Oui, bon, les causes de menaces, bon, alors, jusqu'à sa protection, on va dire dans les années 70 en France, puis un peu avant en Europe, c'était essentiellement le piégeage pour sa fourrure, hein. C'est un animal comme la loutre, comme d'autres espèces qui ont été piégées à une époque pour faire des manteaux, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu gore, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, donc, à partir de ça, mais il a commencé quand même à régresser déjà au début du XXe siècle avant sa protection, et notamment la cause. Et là, Gaël l'a rappelé tout à l'heure, c'est la dégradation de son habitat, tout simplement. Donc, les zones humides qui ont été fragmentées, qui disparaissent, qui ont été asséchées, enfin bref, qui ont été polluées aussi. Donc, tout ça a des conséquences sur le milieu de vie de ses proies, et donc aussi sur le wison d'Europe qui ne trouve plus de proies pour se nourrir, qui ne trouve plus d'endroit pour gîter, pour se reproduire. Et du coup, en conséquence, les individus diminuent, la densité diminue. Donc tout ça cause son déclin actuel. La deuxième cause majeure actuellement, c'est les collisions routières, en fait, puisque c'est un animal qui va suivre en fait les cours d'eau et ce qu'on appelle les ripisylves, donc les forêts qui bordent les cours d'eau. Et puis quand il va rencontrer un pont, il va pas passer, malgré le fait qu'il soit un individu, enfin une espèce aquatique, il va pas passer sous le pont dans l'eau, il va plutôt regagner la berge, traverser la route et repasser de l'autre côté. Les histoires de comportement. Donc forcément, en traversant la route, il y a un risque de collision. Et d'autant plus qu'à partir du moment où il y a de moins en moins d'individus, les mâles notamment sont obligés de faire de plus en plus de kilomètres pour aller chercher des femelles pour se reproduire. Donc plus de kilomètres, plus de risque de se faire taper par un véhicule notamment. Donc ça, c'est la deuxième cause majeure. Et puis la troisième cause majeure, actuellement, bah, c'est le wison d'Amérique, du coup, j'en ai parlé un petit peu là. Wison d'Amérique qui a été introduit dans les années 1920 en France et en Europe en général pour l'industrie de la fourrure, encore une fois, dans des centres d'élevage, dans des fermes d'élevage. Et puis, bien évidemment, il s'est échappé, on l'a relâché, etc. Donc maintenant, le wison d'Amérique est assez bien présent en France, il se reproduit lui-même en Occitanie, Sud-Ouest et Bretagne. Et il rentre en compétition directe et indirecte avec le wison d'Europe. Donc, du coup, c'est très, très compliqué pour le wison d'Europe quand le wison d'Amérique arrive sur son territoire. D'accord, très bien. Merci. Du coup, par rapport aux collisions, je sais qu'il y a des fois, il y a des petits passages pour les petits mammifères qui sont effectués pour éviter la collision du coup des animaux et ainsi leur blessure ou plus Décès. probablement leur décès. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de protection qui sont mis en place? Oui, tout à fait. Donc, c'est effectivement pour les protéger des collisions routières, ce qu'on appelle la mise en place d'encorbellement ou de passage à faune sous les ponts, qui leur permet de traverser à pied sec, en fait, en toute sécurité sous l'eau. Et effectivement, bah, la deuxième possibilité qu'on peut avoir, c'est bah, de restaurer les habitats. Ça peut être bête à dire, enfin, de sauvegarder déjà les habitats de ce qui reste, c'est pas mal. Et donc, de protéger les habitats, les zones humides, qui sont des milieux fragiles. Et puis, dans les cas extrêmes, on peut essayer de restaurer des habitats qui ont été un peu perdus. Donc, refaire des méandres au niveau des cours d'eau, diversifier les plantations autour, remettre de la ripisylve, enfin voilà, dans des cas de plans de gestion ou des choses comme ça qui peuvent être mises en place, il y a ces actions-là qui sont intéressantes. Et puis une des troisièmes, alors, troisième solution aussi potentielle, et c'est une solution, j'allais dire, infinie,
C'est de contrôler la population de visons d'Amérique. Voilà, malheureusement, on en est là. Alors, actuellement, c'est ce qui est fait parce qu'il y a un plan national d'action sur le bison d'Europe qui existe, donc avec des actions qui sont déclinées en axes. Et un de ces axes, c'est justement d'essayer de lutter contre le bison d'Amérique, la propagation du bison d'Amérique, notamment pour protéger les noyaux de bison d'Europe qu'on connaît encore actuellement dans le sud-ouest, en Charente, Charente-Maritime, puis en Atlantique aussi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait passer au sonneur à ventre jaune? Alors, rien que le nom là, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le sonneur à ventre jaune sur le chat. Si vous le connaissez, dites-le nous, parce que je suis sûr que c'est un peu comme le vison. Il n'y a pas grand monde, autant le moineau, on va dire, tout le monde a une image de moineau, mais le sonneur à ventre jaune, regardez sur un moteur de recherche, sur Ecosia par exemple, et vous verrez, et vous verrez que c'est très très joli le sonneur à ventre jaune, surtout le dessous d'ailleurs. Ouais, voilà. En fait, le sonar à ventre jaune, c'est vraiment un tout petit amphibien. Ça fait 3 à 5 cm pour une dizaine de grammes. Et effectivement, il est facilement identifiable, surtout sur la partie ventrale, puisqu'en fait, sur le dessus, il ressemble un petit peu à n'importe quel amphibien. C'est gris, verruqueux, un petit peu. Mais le dessous, en fait, c'est marbré noir et d'un jaune très vif, donc pour les photos, souvent c'est assez intéressant. Donc effectivement, il peut y avoir de jolies photos. Et il y a Dominique qui nous dit. Ah, bah là, il y a Gaël qui nous Voilà montre donc. sonneur à ventre jaune. Alors, c'est la méthode artisanale, ça. C'est quand on n'a pas de photo. Et il y a Dominique sur le chat qui nous dit qu'il a des yeux en forme de cœur. Exactement, ouais. D'accord. C'est un critère de reconnaissance en fait. Il a les yeux, alors soit en forme de cœur, soit en forme de Y. Mais oui, c'est un des critères de reconnaissance au-delà de son ventre, parce que des fois, voilà, s'il est un petit peu embourbé, etc., en général, on voit toujours une petite marbrure jaune. Mais voilà, les yeux, ça fait partie aussi d'un gros critère de reconnaissance, parce que effectivement, la pupille est en forme de cœur. Donc c'est assez joli, pareil pour les photos, encore une fois. C'est un amphibien qui est actif de jour comme de nuit, et en période de reproduction, il a un chant assez reconnaissable aussi, qui est ce qu'on appelle un peu flûté grave. Donc c'est pareil sur YouTube, si vous êtes curieux, vous pouvez aller chercher des petites vidéos où on entend ce petit amphibien chanter. Alors en fait, après, c'est une espèce qui est plutôt continentale, donc qui vit plutôt dans des zones forestières ou bocagères. Qui utilise des points d'eau, des petits points d'eau comme des flaques, des petits fossés. On peut le retrouver dans des petites mares ou souvent en fait dans des ornières qui peuvent être temporaires ou permanentes. Et en France, l'espèce est plutôt présente dans le centre de la France jusque dans l'est. Et en fait, en Aquitaine, on la rencontre plus facilement dans le nord de la Dordogne, à la limite avec le Limousin. En Gironde, en fait, elle était considérée comme disparue depuis les années 1900. Et puis, en 2009, elle a été redécouverte dans le Bazadais. Donc, ça souligne aussi l'importance du travail des gens qui sont sur le terrain pour voilà, prospecter. Et puis, des fois, il y a de bonnes surprises comme celle-ci. Donc, il y a été la redécouverte d'une espèce qu'on pensait éteinte depuis près d'un siècle. Donc après, voilà, comment est-ce qu'elle est revenue ici, on ne le sait pas encore, mais en tout cas, ça a permis d'identifier un site où un noyau de population semble subsister. Parce que par ailleurs, en fait, c'est une espèce qui est vraiment en fort déclin. Donc encore une fois, les causes, on les retrouve un petit peu pour toutes les espèces qui ont déjà été citées, hein. La destruction des habitats de vie ou de reproduction, une répartition très, très. Juste, Johanna, Ouais. peut-être pour préciser, parce que je ne sais pas si ça a été bien compris par tout le monde, il y a Renaud par exemple qui nous demande quel est son milieu de vie au sonneur à ventre jaune. C'est bien sûr les zones humides pour le sonneur Oui, à ventre oui, jaune, hein. oui. Ouais. Donc quand Oui, on parle de destruction d'habitat, c'est destruction des zones humides en fait. oui. Voilà, ouais. En fait, ce qui arrive assez régulièrement, puisqu'en fait, on le retrouve dans les ornières. Et que dans les pratiques sylvicoles, souvent il y a le comblement des ornières, qui est une pratique relativement commune. Et donc, du coup, en comblant ces ornières, on détruit systématiquement un endroit de vie et de reproduction pour cette espèce-là. Donc, ça fait partie des préconisations quand on trouve ces espèces-là, effectivement, de laisser le plus possible
tous ces micro-habitats ou habitats le plus intact possible pour que l'espèce puisse y vivre. Et donc voilà, donc il y a la destruction des habitats, effectivement des zones humides, il y a une répartition très fragmentée du coup, puisqu'il y a des individus très isolés, comme c'est le cas du coup dans le Bazadais pour la Gironde. Et puis évidemment, comme c'est un amphibien, et puis encore une fois pour la question des zones humides, c'est que les sécheresses, enfin les épisodes de sécheresse qui peuvent se prolonger là depuis ces dernières années, rajoute aussi des menaces pour ces petits amphibiens. Et donc du coup, pour les mesures de conservation qui sont souvent préconisées, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que dans les milieux sylvicoles, on incite à pas forcément combler les ornières, ou en tout cas y faire attention. Bon voilà, même si des populations, enfin pas de sauneurs à ventre jaune, mais pour d'autres amphibiens de manière générale, de toute façon, le comblement des ornières, c'est vraiment une problématique. Voilà, il y a encore du travail de sensibilisation à faire, puisque des fois, voilà, une mauvaise information, et une fois que l'ornière est comblée, malheureusement, on a détruit un milieu d'accueil potentiel de l'espèce. Voilà, après, il y a la question aussi de la multiplication des barrages, etc. Enfin, sur des systèmes plus larges, on va dire, à l'échelle d'hydrosystèmes fluviaux, etc. Donc il y a d'autres thématiques aussi. Et du coup, pour la dernière question qui était la protection de l'espèce, c'est ça. C'est une espèce, enfin comme tous les amphibiens, en fait, ils sont inscrits sur les protections nationales pour les amphibiens et reptiles. Et le sauneur à ventre jaune particulièrement, donc il y a l'article 2 qui est une protection intégrale de l'espèce, donc interdiction d'y toucher, de le prélever, de le transporter, etc. Et également une protection de son habitat. Donc c'est pour ça que quand on le découvre quelque part, normalement, il y a des protections qui sont mises en place, en tout cas pour limiter la destruction de son habitat. Et c'est aussi une espèce qui est dans les directives européennes Habitats, donc les annexes 2 et 4. Donc pareil, c'est des protections assez fortes pour cette espèce. Il y a une petite question de Dominique sur le sauneur. Est-ce que le sauneur se déplace beaucoup? Il nous dit, Dominique, j'en ai trouvé un dans mon jardin par hasard en Corrèze. Ben déjà, quelle chance, Dominique, d'avoir trouvé un sauneur à ventre jaune dans son jardin. Alors, je ne saurais pas vous dire. Je pense que les questions de déplacement, elles sont liées d'une part à la connectivité des habitats. Puisque s'il n'y a pas un réseau de petites mares pour se déplacer, je pense que ça doit être de l'ordre de quelques centaines de mètres, mais je ne saurais pas vous dire. Nous, à l'Observatoire, on n'est pas experts sur les espèces en manière précise, comme peut l'être Thomas et puis Gaël. Donc, ce serait à confirmer, mais je pense qu'effectivement, ça dépend déjà du réseau de connectivité qu'il y a autour du jardin de cette personne. Ça veut dire que s'il y a pas mal de mares autour de la maison de Dominique, c'est normal que le sonneur, il se déplace de mare en mare, et donc on va le retrouver à l'intérieur de son jardin, c'est ça le... C'est possible. Après, je préfère pas. Oui, on va pas s'avancer. Il faut aller voir peut-être justement l'association dont parlait Thomas, Institut de Nature, qui pour le coup est experte des amphibiens et reptiles. Donc. Voilà, exactement. Il y a le guide. Donc voilà, sur les capacités de déplacement, c'est propre à chaque espèce pour le coup. Donc à voir. Par contre, j'invite cette personne à éventuellement relayer cette observation. À l'Observatoire Fauna, en fait, nous, on est plutôt, comment dire, on centralise des données d'observation. Et donc, du coup, on peut relayer les informations pour qu'elles soient prises en compte par la suite dans des programmes de gestion, de protection, etc. Donc, ce genre d'informations sur une espèce qui est en danger, protégée, etc., c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, il y a plein de moyens, plein de plateformes pour faire remonter ce genre d'informations. Donc, j'invite... c'est Christophe ? Dominique. Dominique, pardon, Dominique. J'invite Dominique à relayer l'information. Et puis, voilà, toutes les personnes... qui regardent ce live, si effectivement vous êtes intéressé sur la prospection et puis le partage de vos observations également, à peut-être vous intéresser aux différentes applications qui existent pour peut-être relayer tout ça pour que ce soit pris en compte
Parce qu'il y en a partout, hein. Là, on parle effectivement Faunas c'est Nouvelle-Aquitaine, mais si on, enfin, pour nos auditeurs qui ne sont pas que de Nouvelle-Aquitaine, il y en a dans toutes les régions en fait des observatoires qui collectent ces données-là. Donc il faut se rapprocher. Ah, pas toutes? Alors, il n'y a pas des observatoires dans toutes les régions. D'accord, Ça d'accord. se, enfin, ça se matérialise des fois sur comment dire, des organisations qui peuvent être différentes, mais il n'y a pas forcément un observatoire partout. Ça, ou alors, ils sont en train de se monter. Quoi qu'il arrive, il y a des plateformes qui peuvent relayer, enfin, qui ont une couverture nationale, voire internationale. C'est le cas de l'application. Enfin, je ne sais pas si on peut faire de la pub. Faisons de la pub, on est libre sans conscience. Il y a une application qui s'appelle Ah iNaturalist bah oui, très connu, oui. et du coup c'est valable mondialement. Donc comme ça vous ne posez pas de questions que vous soyez en Gironde ou en Italie ou je ne sais où. C'est une application qui est participative, qui est assez, c'est un petit peu comme un Pokédex. En plus, vous pouvez, dès que vous prenez une photo, vous pouvez savoir un petit peu quelle espèce vous avez vue et puis ça vous fait une petite collection. Et puis, alors, il y a peut-être un onglet à cocher pour que vos données soient partagées. Donc, il faut juste aller voir dans les paramètres pour dire je suis d'accord pour que ces informations soient prises en compte par les politiques publiques pour ensuite pouvoir, voilà, peut-être avoir des programmes en faveur de telle ou telle espèce. Voilà. Donc, il y a ça. Après, il y a des applications, d'autres applications nationales. Mais... Et on Il y a mettra d'autres. d'ailleurs, iNaturalist, avant de vous passer la parole, Gaël, on mettra d'ailleurs iNaturalist et Si c'est une nature, les liens dans la description. Alors, regardez pas maintenant, bien sûr, ça n'y est pas, mais si vous regardez le replay, et si vous êtes en train de regarder le replay, puisque là je parle à ceux qui sont dans le futur, hein, qui vont regarder le replay, et ben, tout simplement, regardez la description, vous avez les liens donc vers iNaturalist et vers Si c'est une nature, ainsi que toute une bibliographie préparée par Emma, Eva, et l'ensemble du groupe des étudiants de Diderot Éducation. À vous, Gaël. Je voulais juste rebondir là-dessus. C'est sur. Il n'y a pas que la fragmentation des habitats qui pose problème, il y a aussi la fragmentation de la donnée et notamment de tout ce qui est collaboratif. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres et beaucoup de choses. Voilà. Donc, bon, c'est une constatation qu'on fait hein, en Aquitaine. On a beaucoup d'outils, beaucoup de bases de données et parfois, effectivement, d'autres n'ont pas accès à ça ailleurs sur le ou les territoires. Donc je pense que c'est un pas que nous, associations ou autres, et collectivités aussi et institutionnelles, avons à faire pour l'avenir, c'est essayer de regrouper tout ça pour simplifier, parce que des fois c'est pas simple non plus pour le Kidam qui voudrait poster, de se dire voilà, j'ai plusieurs choix, je ne sais pas où le faire. Bah, quand on a le choix de faire plusieurs choses, parfois on ne fait pas ce choix. Donc voilà, c'était juste un petit élément aussi à garder en tête. Voilà, faut pas hésiter aussi à aller voir le naturaliste du coin qu'on connaît et lui dire ah, Jean-Jacques, j'ai la donnée, ou Jacqueline, c'est Jean-Jacques ou Jacqueline, je sais pas, lui dire que mais c'est vrai que c'est très important, comme ça a été dit, de faire remonter ces données-là, quelles qu'elles soient, et n'hésitez pas à aller voir votre association de quartier, entre guillemets, là, que vous avez dans le coin, pour montrer, parce que souvent on a des informations, ben, comme j'ai pu partager parfois avec Thomas, des choses complètement fortuites. On vient nous dire j'ai trouvé ça dans mon jardin, ou on a une stagiaire qui trouve une rosalie alpine quelque part dans l'entre-deux-mers. Voilà, moi, c'est des choses qui arrivent. Elle me dit, c'est quoi cette bête? Je dis, ben voilà, t'as un coup de bol, t'as trouvé une espèce plutôt rare et menacée, donc j'aurais pu parler de ça aussi. Bref, n'hésitez pas à faire remonter les informations, c'est très important. Donc, comme a fait Dominique. Bravo, Dominique. Et je rajoute juste que du coup, les observations d'animaux morts comptent aussi, parce que souvent, ça étonne les gens, mais saisir un animal qui a été ben, en collision, comme me parlait Thomas juste avant, ça compte aussi et ça fait partie de programmes scientifiques de recherche aussi d'étudier les collisions. Donc les animaux morts, vous pouvez aussi les saisir, ça fait partie de la faune, en tout cas des données qu'on peut mobiliser pour nos programmes. Alors c'est sûr que c'est moins Les sympa saisir que sur de des bases voir de données, pas l'animal, mais avec les bon. mains. Oui, voilà. Oui, pas les manipuler, Précisé. les saisir sur des bases de données, ouais. Il y a Laurent qui nous dit, alors Laurent Sixi, qui est d'ailleurs qui est comment dire, un fervent auditeur de nos lives, et je lui passe le bonjour, et qui nous dit plusieurs choses. Alors il nous dit, Faune France couvre tout le territoire français, c'est la première chose qu'il nous dit. Et la seconde, c'est que iNaturalist, mais aussi l'appli Naturalist, qui renvoie sur tous les sites de données Faune, qui finissent au Muséum national d'histoire naturelle. Oui, parce que les données remontent au muséum, c'est ça en fait, à la fin, c'est ça qui se passe. Oui, alors en fait, au niveau français, enfin au niveau national, la restitution se fait via ce qu'on appelle
le système d'inventaire national du patrimoine et la plateforme en fait de consultation de ce système-là, c'est l'INPN, donc l'inventaire national pour le patrimoine naturel. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les données publiques et partagées, donc qui sont remontées par tous les systèmes qui souhaitent partager et toutes les personnes qui souhaitent partager leurs données. Mais il y a un certain nombre de personnes ou d'entités qui ne souhaitent pas forcément partager leurs données pour X raisons. Ça peut arriver aussi et ça peut se comprendre pour plein, plein, plein de raisons aussi. Et donc, du coup, iNaturalist, c'est pour ça que je parlais, je crois que dans les paramètres, il faut aller valider, en fait, c'est un accord, en fait, de dire, voilà, je suis d'accord pour que on communique en fait sur ce que moi j'ai vu à tel endroit, tel jour, parce que ça c'est quand même des informations qui peuvent être bon, assez personnelles. Et donc du coup, on peut choisir de les faire remonter ou pas. Donc c'est pour ça qu'il faut aller faire valider cette petite croix. Après, les outils Faune France, en fait, c'est pareil, il y a peut-être un choix pour remonter les données, je connais moins. Mais les restitutions à l'échelle nationale de ces systèmes-là, il me semble qu'elles sont dégradées, en fait. Une partie des informations qui sont... Enfin, je parle sous couvert, hein, mais il me semble que ce qu'on appelle la dégradation de l'information, c'est qu'on va perdre la précision du point quand c'est saisi au point. On va perdre l'observateur. C'est-à-dire que vous ne serez pas forcément cité comme étant l'auteur de la donnée. Après, ça peut être un choix voilà, pour respecter vos conditions de vie privée, etc. Donc c'est pour ça que je citais plutôt iNaturalist. Moi, je connais mieux iNaturalist que les autres systèmes. Très bien. Et juste avant de passer la parole à Emma et Eva pour passer à, je dirais, l'autre partie de ce live, bah c'est une question pour Thomas. Alors, une question qui, je suis désolé, date un peu parce que je ne l'ai pas pris au rebond, au bon moment. Donc, c'est Gérard Duvalet qui nous dit: Bonjour, discussion très intéressante. On a accusé le Vison d'être un réservoir potentiel du virus du Covid. Qu'en est-il? Alors, je ne sais pas si Thomas, vous allez pouvoir nous Alors, répondre, mais. vaste sujet. Alors, juste pour rappeler que Vison d'Europe, j'ai oublié de signaler comme le sonneur avant-projet, une espèce protégée hein, en France et en Europe, et notamment inscrit aussi directive Habitat en annexe 2 et 4. Pour le Covid, alors, il y a eu des cas avérés de SARS-CoV-2, donc du virus de la Covid-19, détectés chez des visons d'Amérique en ferme d'élevage. Ce qui a occasionné notamment, et vous avez peut-être pu le voir, des images assez conséquentes en, alors je sais plus si c'est la Norvège ou si c'était la Finlande. Enfin bref, il y a eu des énormes élevages de 60 000, 80 000 bêtes tuées parce qu'il y a eu quelques cas qui avaient été détectés et donc il y avait des fosses communes de visons d'Europe, de visons d'Amérique, pardon, pas visons d'Europe, visons d'Amérique. Donc il y a des images par drone. Enfin voilà, c'était assez épouvantable. Au jour actuellement, il n'y a aucun cas de connu de SARS-CoV-19 dans le milieu naturel concernant les visons d'Amérique ou les visons d'Europe. Donc c'est des conditions très particulières, c'est des conditions d'élevage qui où Voilà, les animaux sont serrés, ouais, c'est la d'accord. promiscuité entre les individus interspécifiques, donc enfin, intraspécifiques, visons d'Amérique, avec les humains. Il y a aussi il y a eu un facteur de transmission entre hommes et animaux, et ensuite ça s'est transformé chez les visons d'Amérique et c'est reparti chez l'homme. Ben voilà, actuellement il y a des recherches aussi assez pointues là-dessus. Donc il y a eu une mutation du virus en fait dans les élevages et qui s'est répercutée ensuite à l'homme et qui a aussi contaminé les populations humaines. Donc actuellement en milieu sauvage, là je parle bien en milieu sauvage, il n'y a pas eu de traces de COVID-19, traces voilà, du Covid. Maintenant, c'est un virus qui peut se retrouver dans le milieu naturel. Concrètement, il peut muter chez des mammifères, mais aussi chez d'autres espèces, hein. Donc, ça ne serait pas étonnant, avec des recherches un peu plus poussées, puisque pour l'instant, on s'est pas attardé. Enfin, on s'est attardé à faire ces recherches poussées, mais plutôt côté asiatique, on va dire à l'origine du Covid. Mais côté européen, côté français, pour l'instant, les études sont encore en cours, et il ne serait pas étonnant de voir. Au moins des anticorps correspondant au SARS-CoV-19 circulaient dans les mammifères sauvages. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont contaminés et contaminants.
Et ça ne veut pas forcément dire que ça va se retrouver, ça va muter, que ça va forcément se retrouver chez la population humaine. Il faut être vraiment très prudent là-dessus parce que la virologie, c'est très compliqué. Mais techniquement parlant, oui, c'est largement possible puisque ça a été fait sur des visons d'Amérique d'élevage. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se retrouve pas dans le milieu naturel. Mais sans en paniquer du tout. Voilà, pas du tout. Garder son calme, surtout. Gardons notre calme, c'est le plus Ah important. oui. Et d'ailleurs, Gérard Duvallet nous dit que les élevages, c'était d'après lui au Danemark. Danemark, voilà, c'est ça, Voilà. oui. Qui est un pays. Et vous remercie Thomas, bien sûr, pour ces précisions. Eva, est-ce qu'on ne passerait pas à la seconde partie de ce live et de parler un peu plus peut-être de liste rouge? Pas tout à Ah, fait. pas tout à Alors fait. d'abord, on va. Ah, il nous manque une espèce. Voilà, c'est ça. Alors déjà, je voulais faire juste un petit point, parce que là, on a parlé beaucoup, enfin, on a parlé exclusivement, en fait, d'espèces animales qui sont menacées. Mais il y a bien sûr également beaucoup d'espèces végétales qui sont menacées, et c'est tout aussi important. C'est pour ça qu'on va prendre l'exemple, comme on l'a dit dans l'introduction de ce live, de l'angélique des estuaires. Donc là, on va redonner la parole à Gaëlle, qui va pouvoir nous parler un petit peu de cette espèce végétale et des menaces et des protections vis-à-vis de cette espèce brièvement, avant, pour le coup, de passer un peu plus sur la liste rouge sur la deuxième partie du live. Oui, alors bon, c'était effectivement dans le cours de la discussion, on toujours penser espèces menacées, souvent on pense à ce qui nous est proche, des animaux notamment. C'est le côté baleine bleue au panda. On a souvent cet aspect-là d'avoir envie de défendre des espèces qui sont loin de nous, mais aussi il faut penser à tout ce qui est proche de nous et ce qui ne se voit moins, ou en tout cas quand on n'est pas intéressé par la botanique. Alors, la botanique est un domaine passionnant et vous aurez plein de botanistes qui vous raconteront des choses fascinantes, mais le grand public n'est pas forcément hyper sensibilisé, à part sur les jolies fleurs. L'angélique n'est pas la plus exubérante des fleurs À quoi ça qu'on puisse ressemble trouver. Alors, l'angélique justement? l'angélique, c'est une apiacée, donc c'est cousin des carottes. Donc, ça va ressembler à une grande carotte d'assez grande taille. Ça ressemble aussi à l'angélique des confiseurs, qui est une plante. Ça ressemble au panais, ça ressemble à toutes ces espèces, donc on appelle aussi les ombellifères. Et cette angélique-là a plusieurs intérêts. D'abord, donc c'est une plante effectivement, alors qui peut être menacée et qui va être plutôt à tendance, on va dire, c'est une espèce endémique qu'on va retrouver sur nos estuaires depuis la Loire jusqu'à l'Adour. Donc, elle est endémique de cette façade atlantique, ça veut dire qu'on ne la trouve que chez nous. Et cette espèce qui a été décrite, alors, c'est au 19e siècle, dans les années 1850, finalement, elle va se retrouver sur un endroit très précis, ça va être l'estran des fleuves. Donc, l'estran, c'est la partie recouverte et découverte à chaque marée des grands fleuves atlantiques, donc Adour, Garonne, Dordogne aussi. Charente, etc. Donc jusqu'à la Loire. Et cette plante-là, donc a cette particularité, elle va se développer sur ces estrans. Or, ces estrans notamment sur les grands fleuves comme la Garonne et la Loire, ont été aussi énormément transformés par les activités humaines, portuaires notamment. Et donc voilà, les menaces sur cette espèce vont être sur finalement les sites où elle va pouvoir se trouver. Elle peut être localement abondante. Parce que comme c'est une plante qui va se développer sur 2 ou 3 ans, hein, on dit donc c'est une plante qui va d'abord germer sur un banc de vase, donc il faut qu'il soit découvert suffisamment, donc il faut que ce soit le bon endroit, qu'elle soit transportée par la marée, qu'elle puisse germer, que cette germination eh bien lui donne 2 à 3 ans pour monter en fleur. Elle monte en fleur, elle monte en graines, puis elle disparaît. Ces graines vont la perpétuer et puis la plante, le pied qui aura été sur place pendant ces 3 années, disparaîtra et donc donnera peut-être des pieds tout autour. Donc, ce qui va la menacer, voilà, c'est à la fois la fragilité de son milieu, puisque c'est un milieu naturellement instable, donc déjà à la base, ça va être son confinement géographique. On ne la retrouve que chez nous. Donc dans on va dire grand sud-ouest, même si on va taper jusqu'au trou de nez de la Bretagne. Et
ça va être aussi donc les perturbations évidemment qu'on peut apporter à ces milieux fragiles. Donc on peut, tout à l'heure Thomas a parlé de zones humides, ou Johanna aussi, hein, c'est les zones humides en général sont hyper menacées, quelles qu'elles soient, que ce soit une ornière, que ce soit un cours de petite rivière ou que ce soit nos grands fleuves. Et notamment par nos impacts, par nos transformations. C'est une plante de ripisylve de zone estuarienne et nos ripisylves en général sont aussi assez malmenées. Donc voilà un petit peu, et puis évidemment, tout ce qui transite dans les rivières puis dans les fleuves jouant le goulot d'étranglement, ça va être le recouvrement par du plastique, ça va être les espèces envahissantes exotiques qui vont être transportées aussi. Si vous faites un petit transect de bord de Garonne, vous allez voir beaucoup d'espèces exotiques. Donc évidemment, ces impacts-là, ils sont réels et ils sont très forts. Et c'est vrai que le végétal, finalement, est parfois un peu moins mis en valeur sur les espèces menacées. Or, il est évidemment tout aussi important, à la fois pour la diversité biologique et à la fois aussi pour son intérêt paysager et floristique. Et c'était important de le rappeler. Et peut-être, juste peut-être pour finaliser cette partie, les solutions, parce que ça veut dire que typiquement pour protéger l'angélique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éradiquer les espèces exotiques envahissantes, c'est un Alors, peu ça ça, pourrait ouais. être une façon de faire. Évidemment, aujourd'hui, il faut les espèces exotiques, il faut les contrôler sur les secteurs où on peut le faire. Donc, le végétal, déjà, alors l'animal, Thomas en parlait, hein, contrôler le wison d'Amérique, ça devient compliqué. On parlait aussi tout à l'heure en aparté d'autres espèces exotiques comme je sais pas, le raton laveur. C'est compliqué. Les animaux, c'est compliqué. Le végétal est encore plus compliqué parce que, évidemment, un wison d'Amérique, quand on le coupe en deux, il ne survivra pas. Bon, c'est très barbare ce que je dis. Si des espèces exotiques vous créez des moutures, vous allez créer d'autres populations de ces espèces-là. Donc c'est vraiment un gros problème. C'est aussi tout simplement respecter ces estrants. Alors je parle par exemple en milieu urbain, comme on peut l'avoir, ça va être essayer de conserver, c'est ce qui se passe par exemple dans Bordeaux Métropole, il y a des sites où on a de l'angélique. Parfois on a le rotophylle facile, quand l'angélique va monter en fleur et que vous lui passez un coup de rotophylle parce que les plantes font 1,50 m, ça dépasse, ça fait sale. Voilà, c'est aussi des petits gestes. Et sur les grands estrants où l'angélique se développe, effectivement, là, ça va être une non-intervention qui est aussi intéressante, hein, c'est-à-dire finalement essayer, et donc par nos pratiques, alors bon, il y a les pratiques portuaires, hein, quand un bateau, quand un grand porte-conteneur de plusieurs milliers de tonnes va se déplacer et donc créer une énorme vague, elle va venir éroder les berges. Donc, c'est aussi un travail qui est fait. D'ailleurs, le Grand Port Maritime de Bordeaux est aujourd'hui sensibilisé à ces problématiques-là. Et donc, ce sont aussi des partenaires. Alors, nous, on ne travaille pas là-dessus, mais il y a le Conservatoire botanique qui est sur ces sujets-là, qui peuvent être justement mis aussi dans la boucle pour que le travail soit vraiment collaboratif et non, je vais dire, accusatif, en disant ah, c'est votre faute, vous faites de. Non. Donc, essayer vraiment de conscientiser tout le monde et d'amener tout le monde à réfléchir ensemble sur ces problématiques. Très bien. Merci Gaël pour ces précisions. Et c'est vrai de ne pas oublier le végétal, c'était important. Merci Emma et Eva pour m'avoir rappelé qu'il y avait effectivement une plante qui était présente dans ce live. Passons à la deuxième partie, par contre, là, Emma. Oui, là pour le coup, oui, parce que là, en tout cas, on a parlé de quelques espèces menacées, mais il faut bien sûr, pour pouvoir les protéger et s'intéresser à leurs menaces, savoir quelles espèces sont menacées. Et pour ça, il y a différents outils en France, avec notamment des outils d'alerte, dont la liste rouge, dont va nous parler un peu plus du coup Johanna Perraudin, qui travaille à Fauna, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc pour la première question, on va avoir tout simplement qu'est-ce que la liste rouge? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit descriptif du but et des critères? Alors donc du coup les listes rouges de ce qu'on appelle l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est un outil qui permet d'évaluer le risque d'extinction des espèces sur un territoire donné. Et donc c'est une démarche d'évaluation qui est réalisée par souvent, en fait, c'est un groupe d'experts qui est appuyé par des institutions nationales. En France, il y a souvent le muséum qui permet d'appuyer la démarche d'évaluation et des résultats. Les résultats sont aussi validés par un conseil scientifique du territoire concerné. Donc,
ça peut être le Conseil scientifique national quand c'est des listes nationales, et puis un conseil scientifique régional, comme c'était le cas en Aquitaine, quand les listes sont appliquées plus localement. Et donc tout ça, c'est encadré par une méthodologie qui est commune en fait à l'échelle mondiale. Et donc les résultats que forment ces listes rouges aujourd'hui, c'est un des baromètres les plus influents, on va dire, dans le milieu de la conservation, parce que ce sont des résultats qui sont considérés fiables, partagés et reconnus à une large échelle, puisque du coup la méthodologie est applicable vraiment à de multiples échelles. Et ça fait maintenant plus de 50 ans que ces évaluations ont lieu, donc il y a eu des mises à jour de méthodes, etc., pour pouvoir les rendre les partager au plus grand nombre. Mais, et puis la comparaison en fait, du coup, de tous ces résultats de liste rouge en liste rouge, l'évolution des catégories de menaces des espèces, ça permet également de fournir des indicateurs de suivi de l'état des populations, puisqu'on va voir que certaines peuvent se rétablir quand il y a des bonnes nouvelles, et puis d'autres peuvent avoir un statut de menace qui se dégrade ou qui stagne. Donc en fait, la comparaison aussi dans le temps de ces statuts permet d'avoir un indicateur de suivi. Les listes rouges, c'est aussi principalement, en fait, l'idée, c'est de valoriser et de synthétiser un certain nombre d'informations et de connaissances sur les espèces qui, prises une à une, ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde, que ce soit de la distribution, de la tendance, etc., ou des caractères, des traits écologiques intrinsèques aux espèces. Et donc la liste rouge permet, en fait, quand on confronte l'ensemble des connaissances qu'on a actuellement sur ces espèces-là à la grille des critères de la liste rouge UICN, donc de leur attribuer un statut de menace. Et donc ces listes de menaces, en gros, classent les espèces selon un statut de menace du plus critique au moins concerné. Et donc ça permet à quiconque de prendre connaissance assez facilement, assez simplement, de l'état de conservation des espèces concernées. Donc ça se destine quand même plutôt, donc ça se destine au grand public de manière générale, mais ça se destine aussi aux acteurs des territoires, les aménageurs, les politiques, etc., pour les éclairer, on va dire, dans leur prise de décision quand ces espèces sont éventuellement en jeu dans un projet d'aménagement ou voilà, pour des politiques en matière de préservation environnementale. Mais ça a une valeur d'information, mais par contre, aucune oui. réglementation. C'est-à-dire que Exactement, derrière, ouais. il n'y a pas de contrainte concrète de la liste rouge sur les politiques nationales. Non. En fait, c'est ce qu'on appelle une liste de reconnaissance. C'est un petit peu comme les SNIEF, si certains connaissent. C'est pas un outil législatif, c'est pas réglementaire, c'est vraiment un outil de communication et de sensibilisation, mais ça n'a pas de valeur juridique derrière. Donc il y a des espèces menacées qui ne sont pas protégées, par exemple, et il y a des espèces qui ne sont pas menacées et qui peuvent être protégées. Donc ça n'a vraiment pas de lien. L'idée en fait de ces listes, quand même, c'est vraiment, vu que c'est une synthèse qui est reconnue, qui est fiable, qui est partagée par un grand nombre d'acteurs, et que ça fait maintenant quasiment 50 ans que c'est utilisé, ça a quand même une certaine valeur en fait dans l'esprit de tout le monde maintenant aujourd'hui, et que quand une espèce est menacée, voilà, ça a valeur quand même d'alerte, de feu rouge, pour essayer d'orienter les décisions ou les aménagements en faveur des espèces, en tout cas pour essayer de préserver soit l'espèce directement, soit son habitat, si son habitat est mis en jeu. Donc vraiment l'idée, voilà, c'est plutôt d'orienter des démarches qui peuvent être soit de préservation, mais il y a aussi une orientation des démarches d'acquisition de connaissances, puisque dans les statuts, il y a des statuts donc de menaces, il y a des statuts d'espèces quasiment menacées ou peu concernées, mais il y a aussi des statuts qu'on appelle le data deficient. En fait, c'est les espèces pour lesquelles on n'a pas assez de données pour statuer si l'espèce est menacée ou ne l'est pas. Donc en fait, ces espèces-là peuvent être menacées,
Et donc, du coup, les espèces qui sont identifiées par ce statut-là, ça peut aussi être des pistes de recherche voilà, pour l'acquisition de connaissances donc, voilà, dans les domaines scientifiques, etc., pour combler des lacunes de connaissances. Donc, il y a vraiment plusieurs points sur ces listes rouges. Donc, en gros, donc c'est un outil d'alerte et de communication, c'est un outil de sensibilisation des menaces pour un public très large. C'est un outil qui peut permettre le suivi de l'état de conservation des espèces en comparant l'évolution des statuts dans le temps. Donc c'est une base pour l'établissement peut-être après effectivement de protection, etc. Mais il n'y a pas de lien direct. C'est vraiment du conseil, de l'orientation, un éclairage scientifique, on va dire. Soit donc voilà, en matière de préservation environnementale ou d'acquisition de connaissances aussi. Donc il y a différents rôles, mais c'est vrai que c'est un outil qui est assez reconnu et partagé et important pour la faune aujourd'hui. Enfin, la faune et la flore d'ailleurs, puisqu'il y a des listes faune, flore, fonge, etc. pour les habitats. Pas que la faune, rappelons-le. Et juste avant de vous passer la parole, Emma et Eva, je vois qu'il y a une question sur le chat d'Élise qui vous demande, Johanna, et puis aussi à Thomas et Gaël, à quelle fréquence les données de l'UICN sont actualisées, en fait. Est-ce que c'est régulièrement tous les ans? Est-ce que c'est beaucoup plus tard? Enfin, voilà. Alors, il n'y a pas de période officiellement recommandée. En fait, l'idée, effectivement, ce serait de le faire relativement régulièrement sur des pas de temps, comment dire, pertinents, dans le sens où une liste rouge, déjà, il faut entre 5 et 10 ans de données pour pouvoir passer à la moulinette une partie des critères, puisqu'il y a des critères sur le déclin. Donc pour le déclin, il faut l'observation de l'espèce sur un certain nombre d'années. Il y a des critères de petite population, il y a des critères de distribution. Donc déjà, il y a forcément en fait ce pas de temps qu'il faut respecter. Donc à minima, en général, il y a au moins 5 ans entre la mise à jour d'une liste d'un groupe. Mais la problématique qu'on a actuellement, c'est qu'en fait, en faune notamment, puisque du coup, nous, on s'occupe plutôt de la faune. On a couvert, enfin, je dis on, mais c'est à l'échelle, à différentes échelles. C'est-à-dire qu'en France, comme en Aquitaine, comme prochainement en Nouvelle-Aquitaine, les groupes les plus connus ont été couverts, c'est-à-dire les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles. Mais il y a tout un pan de la faune, puisqu'on habite sur une planète d'insectes, en fait, et d'invertébrés, etc., qu'on ne connaît pas. Et en fait, pour ces espèces-là, il n'y a même pas aujourd'hui d'évaluation. Donc en fait, la réactualisation, c'est bien, effectivement, on en a besoin pour ces indicateurs de suivi. C'est aussi ce qui peut permettre un petit peu de communiquer en disant, ben voilà, il y a telle espèce qui se rétablit, il y a telle espèce qui se dégrade. Mais il y a pas de période officiellement de mise à jour. La mobilisation des données n'est pas évidente. Donc en général, c'est quand même des périodes assez longues, 5, 10 ans, 15 ans. Des fois, on attend toujours la mise à jour parce que ce n'est pas forcément simple. Il y a des questions de priorité de financement, des questions de priorité de traitement en fait, de ces listes rouges. Est-ce qu'il vaut mieux mettre une liste rouge, mettre à jour une liste rouge oiseau ou mammifère? Ou est-ce qu'il vaut mieux traiter les invertébrés cavernicoles ou les invertébrés aquatiques ou beaucoup de choses en fait pour lesquelles on n'a même pas commencé parfois à travailler. Donc voilà, c'est une réponse un peu à la normande. Mais c'est une réponse. Mais c'est une réponse. Effectivement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail alors d'actualisation quand Oui. on prend les invertébrés ou les champignons, j'imagine aussi. Oui, Il y a ouais. beaucoup d'inconnus, quoi. Ah oui, bah beaucoup plus que ce qu'on connaît, je pense. Ouais. Emma, Eva, je vous laisse la parole. Oui, du coup, vous nous avez parlé un petit peu des critères. Est-ce que vous pourriez nous en dire brièvement un petit peu plus sans trop s'étaler dans le détail? Oui, alors en fait, ce qui fait la force de la méthode UICN, donc déjà, vraiment le principe qu'il faut retenir, c'est que c'est une méthode qui se veut collégiale avant tout, et donc qui repose sur voilà, une évaluation par des experts qui peuvent venir d'horizons différents. Il y a tout un processus de pré-évaluation, d'évaluation, de validation par différentes institutions, etc. Donc c'est vraiment voilà,
un processus qui permet de mélanger tous les regards pour essayer d'être au plus près des connaissances qu'on a actuellement et puis d'essayer de maintenir un caractère objectif dans cette évaluation. Puisque du coup, les critères sont assez, comment dire, numériques quasiment. En fait, il y a vraiment des calculs de superficie, des calculs de tendance, avec des seuils qui sont chiffrés. Et ces critères, en fait, sont conçus pour s'appliquer à tous les groupes taxonomiques hors micro-organismes. Donc, c'est ça aussi la force, c'est que du coup, on peut traiter faune, flore, on peut travailler à l'échelle mondiale comme à l'échelle de l'Aquitaine. Donc, c'est vraiment un outil c'est pour ça que c'est un outil qui est assez puissant. Et donc, sur les critères à plus proprement parler, il y en a cinq qui reposent sur les différents facteurs biologiques associés au risque d'extinction, comme la taille de la population, les taux de déclin, les aires de répartition. C'est souvent ça qui est utilisé pour attribuer des statuts, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a encore un petit peu de mal quand même à savoir, il y a des questions des fois de nombre d'individus matures, etc. Donc, ce n'est pas forcément des choses évidentes, notamment quand on va aller traiter, je sais pas, les sauterelles et compagnie. Ce n'est pas forcément simple de dire combien on a d'individus, de parler d'abondance. Donc, c'est des estimations. Par contre, la distribution, le fait d'avoir des cartographies avec justement l'ensemble des données pointé par tous les naturalistes professionnels ou amateurs, les associations de protection de la nature, tous ceux qui participent et qui font remonter leurs données. Ça, on peut en fait proposer une analyse spatiale des distributions. Donc on fait des aires, ce qu'on appelle des aires d'occupation et des aires d'occurrence. Et en fait, en fonction de ces superficies, une espèce peut passer certains critères pour être soit quasi menacée ou menacée. Donc voilà, il y a une dizaine d'étapes pour aboutir à la production de cette liste. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez rentrer plus dans le détail des critères exactement, mais Bon, ça va aller, je pense. ouais. Merci. Je vais juste rebondir, Emma et Eva, parce que je vois qu'il y a eu. Alors, il y a Élise qui nous a dit que elle fait de la pub pour les défis nature de Bioviva, qui sont. Donc, Bioviva, si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise autour du jeu et de l'éducation à l'environnement. Et ils font des défis nature, et les défis nature sont basés sur les informations de l'IUCN. Donc, allez voir l'entreprise Bioviva, effectivement, ils font des très très bons jeux, et les défis nature, c'est vraiment des chouettes jeux pour les enfants à partir de 7 ans. Et il y a Lou qui pose une question: est-ce qu'il y a souvent des erreurs sur les données? Est-ce que, alors, je ne sais pas si Johanna, vous allez pouvoir répondre à cette question, mais est-ce que les données de l'UICN, justement, sont à un degré de fiabilité assez suffisant? Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'on peut dire que c'est robuste? Alors, du coup, il y a plusieurs choses. Ça dépend de ce qu'on appelle, enfin, la donnée. Là, est-ce que c'est la donnée, par exemple, de quelqu'un qui a observé telle espèce à tel endroit et qui fait remonter son observation? Ou est-ce que c'est la donnée qu'on appelle la donnée de référence de menace? Finalement, le statut de menace n'aurait pas été le bon. Bah, on va poser la question à Lou directement. Lou, Bah. donc il faut savoir de quel type de données vous parlez. Est-ce que c'est la En donnée tout de cas, en ce qui référence ou pas, quoi? concerne. Du coup, les données brutes, on va dire ce qu'on appelle les données d'occurrence d'espèces, la démarche UICN, il y a un processus de validation des données. Donc, en fait, il y a un lot qui est souvent assez conséquent d'observations qui est collecté, centralisé, traité pour être intégré donc, dans une base de données pour pouvoir fournir, en tout cas à l'observatoire, on a des outils qui facilitent, qui précalculent un certain nombre de critères automatiquement et qui permettent déjà de voir si certaines espèces passent certains seuils. Mais il y a tout un processus de validation en fait, justement de ces observations. Donc il y a une partie chez nous qui est traitée automatiquement grâce à des référentiels. Donc par exemple, on a des référentiels de présence, de difficulté de détermination, de période d'observation. Et si déjà on a des observations qui sortent de ces premiers filtres qu'on a dressés grâce en fait à l'expertise des partenaires locaux qui travaillent sur le terrain, déjà ça permet de flaguer un petit peu des données qui pourraient être
moins probable ou peut-être douteuse. Mais après, s'il y a toute une expertise, enfin, c'est là où tout le comité d'experts, et c'est pour ça que je parlais que c'est un travail vraiment collégial, qui va venir en fait valider ou invalider l'ensemble des données. Et donc, pour que l'évaluation puisse tourner sur un jeu de données d'occurrence, du coup, valide. Après, la validation des statuts, enfin, la donnée de référence qui est la catégorie de menace attribuée finalement, voilà, vu la démarche, vu le processus collégial, toutes les discussions qu'il y a, c'est quand même un processus qui est assez long. Il y a plusieurs mois d'évaluation, de préévaluation, de discussion, d'échange, et puis de validation par différents comités, le comité UICN, le muséum, il y a l'appui du conseil scientifique. Non, sur ce là, du coup, normalement, c'est assuré. D'accord. On peut avoir confiance. Oui, donc c'était la donnée de référence dont parlez-vous. Voilà, ouais. Voilà, justement. Très bien. Emma, c'est à vous. On va clôturer le live dans quelques minutes. Hein, on se laisse quelques minutes pour clôturer. Donc les dernières questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez, ou des remarques, hein, si jamais vous voulez nous partager des éléments d'information, des sites internet, ou comme Élise, nous parler d'une entreprise ou d'une association qui fait, selon vous, un très très bon travail. À vous, Emma. Eva. Alors du coup, on va essayer de mixer un peu toutes les questions pour remplir les quelques minutes qui restent. Finalement, quand une espèce est inscrite sur la liste rouge, qu'est-ce que ça induit pour elle en termes de protocole sur le terrain, de médiation auprès du grand public, etc. Et finalement, est-ce que ça a un impact? Est-ce que vous avez vu des augmentations d'effectifs, etc. Enfin, des bonnes nouvelles par rapport à certaines espèces. Donc, on avait parlé tout à l'heure un peu du sonneur à ventre jaune. Si vous avez d'autres exemples. Alors, donc, comme on disait tout à l'heure, effectivement, les listes rouges, ce n'est pas des outils réglementaires. Donc, c'est des outils de reconnaissance. Donc, ça n'implique pas derrière obligatoirement une mise en place de système, que ce soit de la législation, de la protection ou même de la gestion. C'est vraiment, ça attire l'attention, mais voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, une espèce menacée peut très bien ne pas être protégée et donc peut continuer à être détruite, prélevée ou en tout cas impactée par des activités. Et inversement, une espèce qui va ne pas être menacée peut très bien être protégée. Donc voilà, sur l'implication, en tout cas le lien protection, c'est vraiment juste des orientations, un outil de conseil. Et après, sur les conséquences qu'on peut observer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est éventuellement la comparaison d'une liste rouge à une autre. Ce qui se passe, c'est que du coup, on a fait une liste rouge amphibien-reptile en 2013, à l'époque avec l'Observatoire aquitain de la faune sauvage. Il n'y a pas eu de mise à jour et il y a eu la fusion des régions entre-temps. Donc maintenant, on est Nouvelle-Aquitaine. Donc même s'il y a une nouvelle liste rouge, ce sera difficilement comparable puisque ce ne sera plus le même territoire. Il y aura d'autres populations potentiellement avec, etc. Donc, on pourra, je pense, voilà, avec les experts, avoir une comparaison vraiment locale. Mais du coup, on n'aura pas la comparaison vraiment de la liste rouge Aquitaine 2013 et de la liste rouge Aquitaine d'une autre année, du coup, dans les années à venir, puisque du coup, les projets maintenant devraient normalement se faire à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et juste peut-être pour rebondir sur un point dans le développement et l'avenir de la liste rouge UICN, est-ce que de plus en plus ça ne se base pas aussi sur les habitats? Est-ce que on se base peut-être un peu moins sur une approche spécifique espèce et un peu plus sur une approche, je dirais, habitat, et donc de parler d'habitat menacé aussi? Alors du coup, moi je suis moins branchée sur les habitats, mais il me semble qu'il y a aussi des listes menacées d'habitat, mais c'est deux thématiques différentes du coup, parce que la méthodologie qui cadre l'évaluation des groupes taxonomiques, elle repose uniquement sur des questions de distribution, de déclin de population, etc. Donc, après, peut-être qu'il y aura des mises à jour méthodologiques, mais il me semble que la question de l'habitat, ça doit être une méthode à proprement parler. Je ne sais pas si Thomas, ça t'évoque quelque chose. Je sais qu'il y a d'autres listes
qui sont apparues En au début. matière de liste rouge, non, mais par contre, en Nouvelle-Aquitaine, on a eu la chance d'avoir des études un peu sur l'état actuel de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine et donc un plan d'action global. Donc, c'est Écobiose, enfin, c'est une étude globale qui s'appelle Écobiose et qui montre justement, qui a chiffré la disparition de certains habitats, dont les zones humides. En Nouvelle-Aquitaine. Et après, il y a aussi des rapports au niveau national qui ont été repris, hein. Justement, le muséum fait ça très bien. Ils ont réussi à chiffrer des choses comme ça pour montrer que certains habitats étaient menacés de disparition, au même titre que certaines espèces. Là, c'était au degré des habitats, mais c'était effectivement pas la méthodologie liste rouge. Voilà. Mais ça existe. Ça existe. Et peut-être pour clôturer ce live je dirais en beauté, c'est peut-être pas en beauté, mais pour nos spectateurs, nos auditeurs, ceux qui sont restés jusqu'au bout, quels conseils vous avez à leur donner peut-être en termes justement de données, de référencement, de sortir, d'aller dans la nature, d'observer, de collecter des données c'est un peu ça qu'on peut leur dire à la fin, c'est de se dire n'hésitez pas à aller dans la nature. Alors, j'en profite pour prendre la parole puisqu'il y a eu un petit blanc. Moi, j'avais proposé aussi, alors ça a été mal compris par Eva, donc de parler aussi de l'importance de l'éducation tout simplement dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité en général. Voilà. Parce que, bon, j'ai parlé d'une espèce commune, mes camarades ont parlé d'espèces rares ou très rares, mais il faut vraiment garder ça dans un tout global, évidemment, et penser que ces espèces, à plus ou moins long terme, sont menacées par l'ensemble de nos activités. Et donc l'éducation par tous les moyens, donc ce que vous faites par exemple, évidemment, la médiation, enfin, c'est quelque chose dans lequel beaucoup d'assos et de structures qui sont dans cette éducation à l'environnement croient évidemment, et sensibiliser le ou les publics à toutes ces questions-là. Parce qu'on parlait, je crois que c'est Jonas qui en parlait tout à l'heure, de la partie visible de l'iceberg, les bestioles qu'on aime bien, voilà. Et dans les invertébrés, les papillons, parce que c'est joli. Ah, mais vous prenez Christine Rollard, donc, notre spécialiste des araignées du Muséum d'Histoire naturelle, vous dira qu'il n'y a pas d'espèces, ou il y a deux espèces protégées, je crois, en France, d'araignées sur les 2 ou 3 000 qu'il doit y avoir. Donc, évidemment, voilà, faut aussi penser à ce qui est commun, ce qui est près de nous, ce qui est vilain aussi, hein, ce qui est vilain a le droit de citer en termes de biodiversité. Et donc, voilà, cet aspect de l'éducation, du travail de terrain est aussi très important. Nous, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est on peut avoir une donnée naturaliste extraordinaire et ne pas le savoir, et donc ne pas hésiter à aller voir l'asso ou même des professeurs ou autres qu'on a et qui nous aideront, qui aideront à identifier une espèce. Voilà, comme je disais que c'est arrivé de façon très fortuite avec Eva, qui a trouvé une donnée girondine de Rosalie des Alpes. Il n'y en a pas 15 000 non plus. Donc voilà, ce côté fortuit est important. Il ne faut pas hésiter à être curieux. Voilà, comme vous disiez, à être curieux des découvertes qu'on fait près de chez soi. C'est pas parce qu'on était confiné qu'on peut pas découvrir des bestioles incroyables. Voilà, pendant le confinement, j'ai par le plus grand des hasards trouvé une espèce d'orchidée dont il y avait deux stations en Gironde, celle sur la toiture à côté du journal Sud-Ouest à Bordeaux-Bastide, et l'autre, elle est à Auverdon-sur-Mer. Bon, c'est un coup de bol, évidemment, mais c'est des choses qui arrivent, et donc faut pas hésiter à être curieux. Évidemment, s'il y a des choses qui vous interpellent, à demander avis d'experts, parce que tout le monde n'est pas expert, mais c'est pour ça aussi que tous les sites de partage d'informations, de données, qui sont collaboratifs, et même si parfois on peut être vexé quand on met une donnée, on vous dit « Ah, ça doit être validé, homologué ». Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais par contre, ça vous permet aussi d'avoir des personnes qui vous diront « C'est tout à fait ça, vous avez raison », ou « C'était pas ça, mais il faut regarder tel et tel critère pour la prochaine fois ». Et d'ailleurs, c'est pas que dans les endroits hyper sauvages que l'on trouve des fois. Il y a des données hyper surprenantes ou des observations hyper surprenantes dans son jardin, sur un bâtiment, Voilà, dans ça voilà, la c'était terrasse de sur un toit café. terrasse. Ouais. Voilà, pour ne pas citer, c'est le toit terrasse de, je crois, ça s'appelle l'Alaïa Café aujourd'hui. Donc, si vous allez boire un café là-bas à Bordeaux-Bastide, faites attention, vous mettez les pieds. Ils ont mis leur petite table là-dessus, donc il faut que j'aille les prévenir parce que les orchidées vont bientôt arriver. Qu'ils fassent attention à ça. Voilà, bon, ouais, que d'histoire. Mais oui, on peut trouver des choses assez étonnantes. Voilà, dans le kilomètre qui nous a été réglementaire il y a 2 ans, j'ai trouvé des choses étonnantes. Faut les chercher, mais il faut être curieux. Johanna Thomas, un mot de conclusion, un mot pour terminer ce live?
Alors, mais je suis tout à fait d'accord avec Gaël, c'est vraiment, faut être curieux. Et le confinement, justement, il me semble qu'il y a eu, dans les sites où on peut transmettre ses données, etc., il y a une sorte d'explosion de, justement, de transmission de données, parce que les gens ont justement été curieux de chez eux, alors dans son kilomètre ou dans son jardin, mais au moins il y a eu une augmentation des données, il y a eu une augmentation des observations. Et il y a même eu les associations du coup qui ont rebondi là-dessus et qui ont lancé des défis régulièrement aux gens pour aller eh ben, cherchez-nous 10 espèces de papillons dans votre jardin, cherchez-nous 10 espèces d'araignées dans votre jardin. Et tout ça a pas mal fait tourner les choses et on voit que les gens ont été curieux, ont joué le jeu. Et grâce à ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de données qui sont remontées. Donc encore une fois, ouais, effectivement, il faut être curieux et il faut s'intéresser à ce qu'on a près de chez soi et notamment près de chez soi. C'est la base. Joanna, peut-être? Oui. Ouais, tout a été dit, hein. C'était exactement la même conclusion à laquelle je pensais, c'est vraiment être curieux, hein. Je pense que c'est la base de tout naturaliste, d'aller à la rencontre un petit peu juste à côté de chez soi, effectivement, encore une fois. Et pour ceux que ça intéresse, éventuellement, si on peut rajouter peut-être un dernier site, Oui. il y a la Viginature qui propose plein de petits protocoles De science simples. citoyenne, ouais. Voilà, ouais, de participation citoyenne. Donc voilà, vous pouvez choisir le protocole que vous voulez, en faire plusieurs, faire remonter vos données. Et c'est une bonne porte d'entrée pour commencer à reconnaître peut-être quelques oiseaux, etc. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et puis après, aujourd'hui, il y a tellement d'applications. Alors ça peut être effectivement un souci, comme on l'évoquait avec Gaël au départ, mais c'est aussi, voilà, il y a plein d'applications qui peuvent être ludiques pour apprendre à se promener juste autour de chez soi et de découvrir toute la biodiversité, que ce soit encore une fois les animaux, mais aussi les plantes, les champignons, etc. Donc voilà, soyez curieux, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup à vous trois pour votre participation à ce live. Je pense que, alors, dans les événements présentiels, on dit toujours, bon, ben, c'est le moment d'applaudir nos intervenants et de les remercier. Là, on ne peut pas le faire, mais vous pouvez le faire symboliquement avec des petits smileys, applaudissements. Et puis, mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre de la biodiversité, chenille, dauphin, vison, alors je ne sais pas s'il y a un smiley vison. Si jamais vous le trouvez, ben, mettez-le. Alors, Angélique, je ne pense pas, mais n'hésitez pas à le mettre. Et peut-être que pour terminer, Emma et Eva, un petit mot de conclusion peut-être? Oui, bah alors déjà, comme vous l'avez dit, merci déjà à nos intervenants, mais également à ceux qui ont assisté à ce visio, qui a participé à l'animer et à rajouter des questions, ma foi, très intéressantes. J'espère que bah, ça a plu à tout le monde. Et sinon, pour reprendre un peu sur ce qu'on a vu, pour faire un petit résumé, donc on a vu qu'effectivement, il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées. Donc là, on a parlé de la Gironde, mais c'est le cas, bien sûr. Enfin, bien sûr, malheureusement plutôt sur tous les territoires à cause de l'activité humaine. Donc, on a pu voir notamment la pollution, la dégradation des habitats, la fragmentation surtout des habitats avec ne serait-ce que nos routes par exemple. Voilà, donc on a pu voir qu'il y a vraiment beaucoup d'espèces menacées et à la fois et au niveau de la faune, pardon, et au niveau de la flore, mais que heureusement aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui ont à cœur de faire bouger les choses et de protéger, pardon, ces espèces. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, donc, comme des outils d'alerte, donc comme on a pu le voir un peu plus longuement sur comme la liste rouge à différentes échelles en plus, et également des outils réglementaires. Donc on en a parlé un peu tout à l'heure, l'annexe 2 et 4, notamment de la directive Habitat. Donc c'est des outils qui payent et qui ont des bonnes conséquences sur de nombreuses populations, heureusement. Donc je pense qu'il faut rester sur une note positive, bien que l'activité humaine fait beaucoup de choses néfastes vis-à-vis des populations. Je pense qu'on est de plus en plus à en prendre conscience et on espère, je pense que ce live aura pu participer à éveiller des consciences et à amener peut-être plus de curiosité et d'implication de la part de chaque citoyen. Et merci à toutes les deux pour m'avoir accompagné hein, dans l'animation de ce live et pour la préparation aussi, parce que toute la préparation de ce live est assurée par les étudiants de Diderot Éducation. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Donc, concrètement, merci beaucoup à vous. Merci à ceux qui étaient à distance, qui ont participé. On se retrouve la semaine prochaine, lundi 7 mars, 19 h. Ça sera toujours le même horaire. Et alors là, le sujet est aussi, alors bien sûr, autour de l'écologie, peut-être
peut-être aussi un peu dramatique, hein, puisque c'est pourquoi faut-il sauver la forêt tropicale? Et on parlera donc avec des spécialistes. Et celui-ci, pour le coup, il sera un format un peu particulier, puisque ce sera un format hybride. Il y aura nos intervenants et les étudiants qui seront présents dans le studio qui est juste derrière moi. Et donc, on fera en live sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner pour être tenu au courant de tous nos lives. Et on se retrouve donc très, très vite pour de prochains lives. Très belle soirée à tout le monde et donc à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.